Je suis rentrée, mais je suis épuisée. Appelez-moi Michel et Somba ici, là, s'il vous plaît. Suis fatiguée. Appelez-moi et Somba, Michel et Sono. Appelez-la moi ici. Et ces pauvres papiers français qui ne sont pas français. Vous me l'appelez ici. Parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Je suis rentrée. Je suis épuisée. Mais quelqu'un vous traite comme du chien alors que vous l'aidez. Et Somba, je veux mon argent. Et Somba, je veux mon argent. Tu vas dans les grandes soirées, non? Tu ne loues pas des tables là-bas. 2000 euros, 3000 euros avec les longues perruques, avec les grandes robes. Dans Estomba, appelez-la moi. Toujours les gens qui se rapprochent de moi pour venir me soutirer du fric. Et après, quand ils doivent me le rembourser, ils sont incapables. Estomba, je veux mon argent. Tu n'es pas grande dame. Je veux mes sous. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Je voudrais mes sous. Que moi, j'étais toujours envoyé en virement instantané. Tout à l'heure, tu me dis que machin. M'aide. Et Somba. Quand je rentre comme ça, que je voulais aller faire la tombe de mon père. Je ne connais pas la valeur que ça a dans mon cœur. Je n'ai pas pu tenir. Je rentre et toi, tu me racontes quoi? Je te demande mon argent et Somba Michel. Je demande mon argent à Michel et Somba. Et plus jamais de ma vie. Vous les Camerounais là, vous allez me rendre foncièrement méchante. J'ai même essayé d'aller finaliser la tombe de mon père, je n'ai pas pu. Physiquement, je ne tiens pas. Je suis en cloque et ça ne tient pas. Quand je suis enceinte, on m'arrête tous les traitements. Je souffre le martyr, je ne dors pas. Et Somba, viens me rendre mon argent. Et Somba doit me rendre mon argent. Si vous réclamez souvent l'argent des autres ici, là, il va falloir aller réclamer mon argent à Somba Michel. Voilà. Il faut aller lui réclamer mes dos. Parce que quand elle venait me les demander, elle était bien doucereuse et bien gentille. Et son mari a trimballé, fatigué. Si elle me disait même la vérité, j'aurais pu m'organiser. Et Somba, Michel, les grands noms, mais avec rien dans la poche, qui fonctionne avec l'argent des autres, viens me restituer mon argent. Tu m'as dit que tu t'étais mise en conférence avec si c'est pas compris. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pepe, tu ne pourras rien faire contre moi. Va me rendre mon argent. Je suis rentrée, je suis fatiguée. Je suis bac du pays, je suis fatiguée. Même tenue debout, je n'y arrivais plus. Sinon, je serais restée. Et Somba Michel, quand tu venais me demander les dettes, les gens là savaient que tu demandes l'argent aux gens pour aller porter les longues perruques pour aller dans les soirées. Sont mourus au Cameroun. Je n'avais pas dit que ta mère allait mourir. Hein, Somba? Ton excuse, c'était quoi? C'était pas la mort de ta maman. Non, mais oh, je vous jure que... Hey, si Dieu m'aide que j'arrive à voir mon bébé... Hey, plus jamais, au centimètre carré, je ne verrai pas un Camerounais passer. Et Somba, je veux mon argent. Tu m'as trimballé déjà pendant plus de 2 mois. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu peux même dire la vérité à quelqu'un. Je n'ai pas, je vais te rembourser en 2025. Lors des élections, la personne va comprendre. Mais tu ne peux pas prétendre demain, après demain, rien qu'aujourd'hui, là, cette journée-ci. Et je vais tout bazarder sur ma page. Vous verrez. Rien qu'aujourd'hui, elle m'a donné 7 rendez-vous. On peut mépriser quelqu'un qui vous a aidé autant. Quelqu'un que quand vous vous êtes venu demander,
virement instantané. Tac, 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 tac. Virement instantané. Mais maintenant, elle devient arrogante. Hein. J'ai dit qu'appelez-moi Esomba ici. Vous croyez qu'on ne peut pas faire du scandale, nous tous? Appelez-moi Esomba. Je suis rentrée épuisée, mais je suis là. Puisque je marche, si j'arrive à marcher, c'est qu'elle tient debout, non? Esomba Michel, je veux mon argent. Vos bêtises à la con, des soirées à la con, avec des perruques à la con, que vous prenez dans le cul de vos propres soeurs. Et son mari Michel, il fait tout bazarder. Toutes tes demandes d'argent, tous mes virements, tout va seulement apparaître là tout à l'heure. Laisse-moi le temps d'arriver chez moi. Je t'ai pourtant dit que je ne vais pas bien, Michel. Je suis enceinte, à mon vieil âge, avec toutes mes pathologies. C'est pas facile. Tu me donnes rendez-vous, 11h, 13h, machin. Il fallait me dire que tu n'as pas... Tu me fais déplacer mon petit frère. Tu me fais déplacer mon jumeau. Pour après... J'ai dit que Esomba vient ici. C'est aujourd'hui là que ça va seulement cuire. On ne peut pas aider ses soeurs qui ne veulent pas vous aider. Hein. Et je vous jure que plus jamais de ma vie, qu'un Camerounais cogne à ma porte pour venir me demander un prêt d'argent. Et son bas, je t'ai prêté mon argent ou pas? Et ce n'était pas la première fois. À chaque fois, tu me traînes, tu me traînes, tu me traînes. Cette fois-ci, ça fait plus de 2 mois. Je cours après toi. Oh, Achille est monté, Achille est descendu. Tout, en fait, ce qui m'énerve, hein, je vais vous dire la vérité. C'est que... elle avait commencé à monter, descendre. Et tout à l'heure, elle m'appelle... Non, c'est moi qui l'ai appelé. Il faut me laisser tranquille, vous savez. Je ne vous connais pas. Restez donc dans votre milieu de merde à la con. Et Somba, tu vas me donner mon argent. Et Sono, tu ne me connais pas. Je n'ai pas tes faux papiers là de création d'entreprise que tu m'as envoyé où c'est marqué nationalité française. Pourtant, je sais que tu n'es pas française. Tu ne me connais pas. Je vous ai déjà dit que moi, mon seul... Chacun doit de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Hein. Même dans le karaté, c'est ça. Donc moi, ma part de karaté, là, c'est qu'administrativement, je finis avec toi quand je veux. Esomba. Et Sono, d'ailleurs. Elle s'appelle même pas Esomba. Voilà, alors, mon airport qui a failli entrer dans la rigole. Parce que je suis énervée. Je suis rentrée là, mes hormones, ça me travaille. Je suis fatiguée. J'arrive pas à tenir au tiers monde. Je n'y arrive pas. Donc, Esomba Michel, donne-moi mon argent. Tout à l'heure même, je suis avec cette... Et après, elle me dit, ah non, je vais tout bazarder tout à l'heure. Je vous ai dit que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir enregistrer les gens. Maintenant, moi-même, je vais vous enregistrer. Puisque vous ne respectez aucune confidentialité, dans ce cas-là, pourquoi je devrais la respecter? Donc, moi-même, là, j'étais enregistrée. Tes pleurs et tout vont aller. Et je vais appeler Achille et mon frère de sang. Je vais voir comment il va coucher en quoi avec toi. Je vais l'appeler. Parce que tu es quelqu'un de malhonnête. J'aurais préféré que tu viennes me dire tranquillement, Aurore, je n'ai pas, Aurore, mais tu ne peux pas me donner. À chaque fois, 20 000 rendez-vous par jour, depuis plus de 60 jours. Non, Esomba, elle veut mon argent. Dites à Esomba que je veux mon argent. Brimbak. Ou bien vos brimbak là sont sélectifs. Dites brimbak. Aura's money. Aura est fatiguée. Elle a même essayé d'aller simplement honorer son père par la tombe. Elle n'a pas pu rester. Donc vous dites, Brimbak aurait en fin de vie, aurait malade depuis plus de 20 ans. Moi aussi, je peux passer ma vie à étaler mes pathologies ici. Et son bas, je veux mon argent. Sinon, il fallait venir me demander un don. Et j'en fais souvent. Si j'ai, moi je ne suis pas une menteuse. Non, mais belle moine, je te donne. T'es prêt à la moine, le nom, tu me balades depuis des semaines et des semaines là.
plus de 2 mois et demi là. Et son bas, il ne veut plus. Donc, soit tu me bacs mon argent, soit on va faire un scandale ici qui sera sans nom. Moi, je te dis ça. Parce que si tu es honnête, j'aurais été assez patiente, suffisamment patiente. Le problème avec cette... C'est qu'elle vous donne... Rien qu'aujourd'hui, elle a donné 4 rendez-vous. C'est 15h, 14h, 13h. En gros, vous devenez esclave de votre horloge. Et Samba, quand toi, tu me demandais de te prêter mon argent, et ce n'était pas la première fois. Parce que ça, c'est le dernier prêt que tu ne m'as pas remboursé. Les autres fois, là, est-ce que j'avais déjà tremblé? C'était instantané, non? Je t'envoie, tu demandes 2000 euros. Fait tic, 4 virements instantanés de 500 euros. Vrai ou faux, Estomba? Vrai ou faux? Faut pas me pousser à bout. Sinon, quelqu'un va devoir assumer ma décharge hormonale. Quelqu'un, il va y avoir quelqu'un là qu'elle va cibler. Et je pose ça sur son visage, je placarde ça dessus. Michel et Samba, si tu n'avais pas l'argent pour me rembourser depuis plus de 2 mois et demi, pourquoi tu ne m'as pas simplement dit, Aurore, j'ai pas l'argent? Je t'ai même demandé, je t'ai même dit, hein, je crois, hein, avant que je n'aille au Cameroun, je t'ai dit il y a 2 semaines, avant, j'ai fait une tentative de. Parce que je suis en train d'essayer de faire les travaux de la tombe de mon père. Je t'ai même dit, Michel, si tu me dis la vérité, je vais m'en occuper. Je saurai m'organiser. Tu m'as dit quoi? Non! Tu auras ton argent samedi. Et Samba, Michel, j'ai eu l'argent là samedi. Ou depuis le fameux samedi en question, je cours derrière tes fesses. Comme derrière le peuple. Pourtant, à chaque fois que tu es venu me demander, parce que ce n'était pas la première fois, instantané. Aurore, est-ce que tu peux me prêter 2000? Donc vous empruntez l'argent des gens pour aller acheter les perruques. Pour aller louer des tables dans vos soirées à la con, dans lesquelles moi-même, je n'ai pas les moyens d'aller. C'est ça? Je t'ai même dit, je suis malade, Michel. Je suis rentrée malade. Je suis rentrée malade. J'ai passé 48 heures sans pouvoir sortir de ma chambre. C'est ta propre soeur qui t'a aidé. Te dit que non, je suis malade. Tu dis, oh non, 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 ça va, je vais envoyer à 14h. Je viens de faire déplacer. Ce matin, il fait déplacer mon petit frère pour soi-disant aller récupérer. Tu as dit que tu étais chez Ria. Ria l'a fermé. Hé, hey, Samba, où tu me prends pour une stupidité mentale? Et dit que tout à l'heure, dès qu'elle est finie là, je vais verser tout ça. Tout le monde va entendre et tout le monde va lire. Chacun va entendre et chacun va lire. Chacun va entendre et chacun va lire. Parce que là, non. Sinon, restez dans vos vies. Restez dans vos vies. On va t'entendre pleurer là-bas. Mais tout à l'heure, tu ne pleurais plus, hein. Depuis que tu m'as dit que tu étais déjà en appel conférence avec compresseur et je ne sais pas quoi, si c'est bah annoncez-les. Je ne vous connais pas. Je vous connais, maman. Je connais vos vies là-bas de prostitution. Je vous connais. Je te dis que et Sono, tu ne me connais pas. C'est soit tu as 2 options. Soit je vais te pourrir la vie en France. C'est pas ton histoire. Tu m'as raconté que tu veux déjà quitter pour aller à Paris ou je sais où. Sinon, tu vas seulement déménager de France. Parce que tu n'as aucune pitié de moi.
Tu n'as pas de pitié. Tu aurais dû me dire la vérité. Ça peut arriver. Les contretemps, ça arrive à tout le monde. Vous voyez, j'arrive même plus à marcher longtemps. Le problème, c'est que quand je suis enceinte, on m'arrête tous les traitements. J'ai mal partout. Tu dis même ça à ta propre soeur qui te promet. Depuis le matin, Esono, tu m'as promis combien d'heures? Je vais balancer ça tout à l'heure. Bah oui, je vais balancer. Bah oui. Je vais balancer ça tout à l'heure. Toutes les heures là seront seulement publiées où on me dit 10h, 11h. Et quelqu'un va me dire s'il a une telle patience pendant des semaines, des semaines, des semaines. Non. Moi, j'ai plus de patience. Et vous allez lire là-bas. Vous allez faire en sorte que maintenant, vous allez seulement tous crever là-bas. Si je peux aider quelqu'un, je n'aide plus. Je n'aide plus. Ce qui m'énerve, non. Depuis ce matin, c'était 10h, 14h. Donc du coup, j'ai fait déplacer mon petit frère. Parce que j'ai un ouvrage à terminer. Même la correction, attendez. Tout le monde peut avoir un problème. Tu n'aimes pas dire à ta soeur que non. Ah non, Aura, c'est chaud là, ça a cuit. Non. L'arrogance de ça. Et sono. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, là, ton pied m'a pas. Tu vois comment je suis en train de rentrer chez moi. Je vais seulement aller m'asseoir et je vais tout publier. Et tu me parlais d'Achille Emana, qui est mon propre frère. Tu connais Simban, tu as déjà mis tes pieds là-bas. On ne t'a pas dit que c'est mon frère. Et quand je dis frère, ce n'est pas un cousin de loin. Tu as déjà mis les pieds là-bas, Yézoum. Tu as déjà mis tes pieds là-bas. Oh, Achille a dit que... Bon, tu m'as d'abord dit ce matin que non, Achille doit se réveiller. C'est Achille qui paye tes factures ou tu me prends pour une débilité mentale. Puis non. Attends, je suis en route. J'y vais. Tu es en train. Donc, en tout cas, tu as écrit, j'y vais. Je te dis simplement, tu vas où? Aller où? Puisque moi, c'était des virements bancaires. Est-ce qu'il y a besoin de se déplacer pour un quelconque virement bancaire? Est-ce qu'il y a besoin de se déplacer? Moi, je ne me suis jamais déplacée. Hein. Jusqu'à Essono! Comment ça déjà m'expliquer le fonctionnement du système bancaire? Hé, maman, yo, je ne sais pas qui m'a envoyé sur Facebook. Jusqu'à ce que je suis mélangée à la poubelle. Essono, ce n'est pas toi que je traite comme de poubelle. Hein. Excuse-moi, Michel. Moi, je respecte les gens que j'ai côtoyés dans ma vie. Mais... De me dire, oui, est-ce que tu sais même que le système bancaire est fermé le lundi matin? Qui t'a dit ça? Pourquoi toi, avant, parce que là, c'est un dernier truc, tu m'avais déjà demandé combien de fois de te prêter des sous? Et j'ai fouillé. Il n'y avait pas un lundi dedans. Qui vous a dit ça? Les guichets sont fermés. Donc moi, je te réponds que les guichets sont fermés et que ça n'a rien à voir, aucune corrélation avec des transactions bancaires qui le lundi se démarre à 14h, 14h15. Tu me racontes quoi? Donc, Essono, quand moi, je peux te parler de banque, toi, tu peux t'asseoir pour parler. Hein, Essono? Il faut me dire, dites-moi un peu vos choses parce que je suis déjà fatiguée de vous. Quand moi, je peux m'asseoir pour parler de banque, Essono va venir me dire que est-ce que tu sais même que les banques sont fermées le lundi matin? Ah bon? J'ai dit qu'elle veut mon argent aujourd'hui. Et ça sera aujourd'hui. Parce que si tu voulais un don, et j'en fais souvent quand j'ai. Moi, je ne suis pas riche, oh. Il y a les riches ici. Mengue me belle 100 francs. Et d'ailleurs, mon empathie, là, il va falloir que ça s'éloigne de moi. Mais si j'ai 100 francs, tu me demandes 100 francs, je te les donne. Même si je dois rentrer à pied chez moi. La preuve,
à chaque fois que toi, la grande riche, tu es venu me demander. Pourquoi tu es venu me demander à moi alors? Puisque moi, je ne vais pas avec vous. Moi, je n'ai pas les grandes perruques. Moi, je n'ai... Non, moi, c'est toujours le cabas de 3000 francs. Moi, quoi? C'est mon petit frère même qui achète les cabas là. Vous avez dit ça. Si vous me voyez dans un cabas, ce n'est pas moi qui l'ai payé. C'est moi-même qui peux te dire qu'attends, Michel, tu exagères déjà parce que tu me donnes rendez-vous 3 fois, 4 fois par jour. Tu n'honores pas. Mais en même temps, tu viens me raconter des bobards qui ne me concernent pas. Comment je sais que tu as coupé? Je te dis que j'ai publié tout à l'heure. Et désormais, là, ne m'appelez plus. Hein, parce que moi aussi, j'avais commencé à vous enregistrer. Et la preuve, quand j'ai découvert que tu m'enregistrais, parce que j'entendais Achille parler derrière, j'ai commencé à t'enregistrer et je vais bazarder tout ça. Voilà. On va donc voir si tu seras ma belle-sœur. En ayant volé mon argent. Voler même, c'est même pas un problème. En m'ayant ri, à l'instant là, et dans les conversations, vous verrez que mon petit frère, qu'elle a fait déplacer de Yaoundé, il est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est parti mourir sur la route là-bas. Esomba, Esono. Tu as même quel nom? Esomba et Sono, avec plusieurs nationalités différentes, les faux papiers. Tu vas aller chercher Amout. C'est Amout qui va régler ton problème. Parce que moi, je vais demander comment tu peux être française alors que tu n'as pas les papiers. Faut quand même pas pousser le vice. Là, tu as exagéré. J'ai trop attendu. Ce n'est pas... Je préfère même quelqu'un qui dit en 2025. Voilà les élections. Ce n'est pas 2025. Tout le monde n'attend pas. Comment quelqu'un peut tous les jours vous donner 4 rendez-vous par jour? Appelez-moi la baronne suisse ici. Là. On va faire du sale. Bipez-moi la baronne de Suisse. Ce n'est pas elle qui avait d'abord commencé à parler ici. Michel m'a juré qu'elle ne doit pas l'argent là où les gens lui veulent du mal. Oh, parce qu'elle avait Achille. Achille, c'est mon frère. Tu ne peux pas me faire ça, Michel. Sinon, tu me disais tranquillement la vérité. Toi, tu connais ma vie. Voilà l'une des rares personnes. D'abord, tu connais quelle vie? En dehors de m'appeler, je te dis, je descends. Donc, je pense que si tu es intelligente, tu peux... Imaginez le nombre de niveaux qu'a mon logement. En dehors de ça, tu connais quoi? En dehors de savoir que je te dis, attends, je descends. Ou attends, je monte. Voyez, me vais. Non, là, c'est exagéré. Et Somba, donc va régler tes choses là-bas. Apparemment, tu t'es rabiboché avec les bas compresseurs. C'est ce que tu m'as dit, en tout cas. C'est elle qui m'a dit ça. Hein? Parce que je vais vous mettre un long voice. Parce que j'ai dit que bientôt, désormais, les blogueuses de merde là m'appellent. Je vais vous enregistrer. Puisque moi, je ne vous enregistrais pas. C'est quand j'ai découvert ce matin qu'elle m'enregistrait, que j'ai dit que moi-même, ma Wawoudé, je meurs quoi? Vous allez écouter. Puisque pour raccrocher, parce que je lui ai dit qu'elle ne raccroche pas son putain de téléphone de merde. On ne peut pas trimballer un être humain autant. Surtout quelqu'un qui vous a toujours prêté son argent instantanément. Si tu as un problème, tu lui dis que tu vas rembourser en 2035 ou en 2025. Whatever. Mais tu ne peux pas dire, rien qu'aujourd'hui, vous allez voir le nombre de rendez-vous fictifs. Qu'est-ce que Somba Michel qui met les longues perruques, qui va acheter les tables dans les soirées, m'a donné. Ma propre soeur, que moi-ci, laissez-moi huler. C'est moi-ci. Je découvre qu'elle est prostituée, que machin est monté. Mon empathie, là, il faut que ça change. Puisque les gélules de Caïs et Yenga, la première exportation, ça porte quel nom? Michel et Ben. La marque de qui?
Michel Essono, qui s'appelle Michel Essomba sur Facebook. Qui fait tout? Je dis, depuis la marque, depuis les achats de toutes les... Allez demander à Clara. Clara, c'est un gars, n'est pas sur Facebook. Tous les roll-up, tout. Mon frère qui m'appelle. Elle a fait déplacer mon frère, non? Le voici qui est en train de me harceler. Et je ne dois pas m'énerver. Elle était obligée de mentir. Est-ce qu'elle était obligée de mentir que non, oui, c'est bon? Non. Quand même. Allons nous respecter vivants. J'étais sur... vous voyez, il va falloir maintenant que je redéplace mon frère qui s'est déplacé pour qu'il retourne à Yaoundé. C'est de l'irrespect. C'est irrespectueux. Sinon, tu ne promets rien. Tu ne peux pas dire 9h, après c'est 10h, après c'est 14h, après c'est 16h. Et puis finalement, non. Vous ne savez pas qu'on allait finir là. Je pars à Ria. J'étais déjà envoyé un jour de l'argent à Ria. Où est donc ton Ria? Michel Essono, ton argent est où à Ria? D'abord, pour qu'on vous envoie un Ria, il faudrait que la personne ait l'identité exacte. Comment quelqu'un peut vous dire, je vais tout vous bazarder tout à l'heure. Comme ça, on va se respecter ici vivant. 2 mois là, je suis à l'usure parce que elle donne des dates, des heures dans des journées. Mais bizarrement, quand tu regardes ces statuts WhatsApp, maman, mieux ma misère. Et vous savez, restez pauvre. Restez misérable. Ça n'enlève rien à personne. Vous restez à votre place. Moi, voilà. Moi, quoi? Ça appuie sur moi. Je ne suis pas bac. Même quand je suis au pays, vous m'avez déjà vu en dimanche. Vous pensez que je ne puisse pas acheter une robe? Puisque je prête mon argent à une Michel et son occupe à louer des robes et des perruques pour aller se pavaner dans les soirées à la con. Donc, je peux le faire pour moi-même. Ça ne m'intéresse pas. Bon. Michel, ça c'était ton clash. Ça va s'arrêter là. Je t'ai dit stop. Stop. Tu ne peux pas me trimballer autant. Et même je te dis, attention, je ne vais pas bien. Je suis enceinte et avec mon vieil âge d'abord. Je suis vieille. Respectons nos âges vivants. Avec mes pathologies, pour moi c'est douloureux. Ce n'est pas évident. Sinon, pourquoi je ne suis pas restée alors pour finir la tombe de mon père et faire tout ce qu'il faut pour faire la fête aussi? Vous croyez que moi-même, je n'aime pas la fête? Le bicou, si j'aime écouter, hein? Mais vous lui dites ça? Il y a 2 ou 3 jours. Mais bizarrement, il vous donne encore 4 faux rendez-vous aujourd'hui. 4 faux rendez-vous dans la journée aujourd'hui. Et je vais vous le prouver. Donc, Michel est sur nous là. Et Somba, non. Michel, j'ai tout fait pour te sortir de ton truc là. Ça m'a dépassé. Je dépose au sol. Si tu as décidé que c'est même après avec mon argent que tu vas fuir, pars avec. Je suis fatiguée de faux rendez-vous parce que quand tu me donnes des faux rendez-vous, tu ne sais pas que j'en donne à d'autres personnes. Sinon, mon frère jumeau ne se retrouvait pas au moment où je parle. En Cotin. Tu m'aurais dit, je n'ai pas d'argent, je n'en vois pas ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il aurait laissé son taf à Yaoundé pour se déplacer? Le voilà en train de me harceler au téléphone. Pourtant, je te dis que je ne vais pas bien. Pourtant, je t'ai dit au téléphone que je n'ai pas dormi depuis 48 heures. On m'a arrêté tout mon traitement. J'ai mal à toutes mes articulations. J'ai mal partout. Je suis obligée de me masser comme ça. Vous voulez même que les gens se ridiculisent à quel point pour vous raconter leur douleur? Elle vient même me dire que tu ne connais pas les souffrances que je vis. Tu connais mes souffrances, toi? Et Sono, tu peux passer 48 heures sans dormir à te masser les jambes pour que le sang circule? Ou
Vous voulez que les gens commencent à se ridiculiser tout le temps, à vous raconter leur vie privée qui ne vous concerne en rien. Donc moi, je n'ai que ça à foutre de faire des allers-retours de 48 heures au Cameroun. Et solo, je ne t'ai pas dit que où tu me vois là, ça ne donne pas. Ça ne va pas. Tu m'as quand même fait déplacer, mon petit frère. Promettre 9h, 10h, 11h, 13h. Et Sono veut mon argent. Vous faites les brimbacs ici. Dites à Sono, Michel, là, elle achète les grandes perruques là-bas. Et les grosses tables de soirée. Brimbac Maïdo, si c'est comme ça que tu me remercies. Michel, si c'est comme ça que tu me remercies. Si un jour tu m'avais déjà demandé un prêt ou un don que je ne t'ai pas fait. Si même ta famille là-bas, sans un certificat de naissance, ont obtenu des passeports, que Dieu m'en épargne. Je voudrais simplement que tu me restitues mon argent. Et honnêtement, c'est symbolique, hein, parce que là, franchement, non. Restitue-moi même au moins deux bâtons. Tu fais déplacer mon petit frère Yaoundé. 10h devient 11h devient 14h. Je vais tout prouver ici. Parce que vous pouvez me prendre pour une mytho. Vous-même, vous allez lire. 10h, 14h, non, ne bouge pas. Non. Non. L'autre, là, je refuse. On peut m'entraîner dans la merde, mais pas... en tout cas, pas mon petit frère. Non. Pas mon jumeau. Il est en train de me harceler au téléphone, là. Parce que tu as menti. 10h est devenu 12h, qui est devenu 14h, qui est devenu 16h. Si tu n'aimes pas ton intégrité ou ton honorabilité, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai envie qu'on me respecte. Je ne déplace pas les gens pour rien. Le voilà donc alors là-bas. Là, la dernière minute, non, si c'est comme ça, je ne savais pas comme ça qu'on allait finir et va aller chez Ria. Où est ton Ria? Et son, je veux voir le RIA là. Parce que pour envoyer un RIA, il faut une identité complète de la personne. Hein. Tu me l'as demandé. Tu connais mon identité complète. Ça veut dire que même ton RIA, c'est un faux. C'est un truc que tu mens. Sinon, tu m'aurais demandé mon nom, mon prénom. Michel, je t'ai aidé, j'ai aidé toute ta famille. Tu n'as fait que m'humilier, me traîner partout dans tes bêtises à la con. Tu m'as fait déplacer mon jumeau aujourd'hui. Et quand je reviens auprès du quatrième rendez-vous que tu, d'abord tu as donné, je vais tout publier ici. Comme ça les gens sauront que je ne suis pas une mythomane. Je n'ai rien d'autre à foutre que de mentir sur les gens. Michel est solo là. Et Somba, pour vous. Non, il faut qu'elle change. Il te dit que si tu ne changes pas, ta vie ne va pas changer. Hein? Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. On ne peut pas mentir autant. Je dis que rien qu'aujourd'hui, vous allez vous-même lire. D'accord? Rendez-vous à telle heure, rendez-vous à telle heure, rendez-vous à telle heure, rendez-vous à telle heure. Et puis à la fin, il n'y a plus de rendez-vous. De qui se fout-on? C'était plus facile de me dire, ma sista, je n'ai pas, non, c'est chaud. La chaleur touche les portefeuilles de tout le monde, non. J'aurais été simplement m'organiser autrement. Rien que pour la énième dette ci. La énième dette ci, là, ça dure depuis 2 mois. Vous pouvez supporter 2 mois de fausses promesses journalières. Dites-moi aussi. J'ai dit qu'elle va seulement devoir supporter ma décharge hormonale. Pas moi qui ai demandé à quelqu'un de venir m'engrosser à mon vieil âge. Donc, elle va supporter. Si je ne t'ai pas aidé, Michel, que Dieu me pardonne. Si je n'ai... Oh là là! Est-ce que moi, j'ai